Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Cette semaine à l'émission, on va vous parler de la Honda Goldwing. On va faire un petit historique de cette moto qui est pratiquement la fondatrice de la catégorie tourisme de luxe à moto. On va aussi aller faire un tour à la course de flat track de Trois-Rivières. Il y avait de l'action à Trois-Rivières. Mais tout d'abord, on a envoyé notre collaboratrice Cindy Martin à Ormstown pour faire le tour d'une exposition de motos antiques bien spécial. Aujourd'hui, au show de moto, on est à l'Expo Moto avec la gang de l'ACMA. On va à rencontre d'amoureux et de passionnés de moto. Suivez-moi. Mario, vous faites ça? Pourquoi vous partez de projets de motos qui ont brûlé plutôt que d'aller acheter une moto neuve, par exemple? Bien, premièrement, c'est que moi, je trouve qu'ils ont une âme. T'sais. Une histoire. Oui, hein? Parce que quand tu montes ta moto, tu apprends sur l'histoire, mettons, de ton modèle. Mais bien souvent aussi, tu cherches l'histoire de ta moto. C'est trois motos 1940, OK? C'est le temps de la guerre, fait que des 40... C'est rare, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup au Québec en plus, tu sais. Moi, quand je me promène avec cette moto-là, là, je me demande ce qu'elle a à me raconter. C'est fascinant. Hey, merci, Mario. Ça ta me fait passion plaisir. Est contagieuse, honnêtement. J'aurais pu en jaser avec toi toute la journée. Ça fait plaisir. Je suis avec Howard ici, qui a une moto très intéressante derrière lui. It's a 1919 Sparkbrook. I had the wheels. Built in England. This is a rare bike. OK. But it's not an expensive bike. OK. Et là, est-ce qu'on pourrait prendre la moto et aller se promener avec? Est-ce qu'elle est vraiment fonctionnelle? I can and I have. Wow. It's not licensed to go on the road. And I don't intend to license it to go on the road. Merci. C'est vraiment intéressant de rencontrer des gens passionnés comme vous puis qui font des petites merveilles comme ça. Thank you. Aujourd'hui, on parle de passion et de passionnés. Justement, je suis avec Éric et Ariane, chez qui l'événement a lieu. Et là, on est en deux Ducati qui sont... Ah, Éric, j'aimerais ça que tu me parles un peu là, de ta passion, justement, pour les motos et la course aussi. Ah oui, la course, c'est mon passion dans la vie, c'est ma femme. Mais après elle, c'est les motos. Et je coursais depuis 60 ans maintenant. Donc, Ariane, est-ce que toi, la passion t'est venue avec le temps? C'est comment avoir autant de motocyclistes comme ça à la maison? Ben, c'est amusant parce que c'est quand même un groupe, les motocyclistes, c'est un groupe très intéressant, des gens très généreux, des gens qui ont vu le monde, qui ont fait beaucoup de choses dans leur vie en général. Et on a beaucoup de motocyclistes de différents genres. Marc-André, on est à côté de ta moto, c'est une Yamaha V-Max. Oui. Pourquoi ce modèle-là? Le monde peut me parler du V-Max comme étant la moto exceptionnelle dans la ligne droite, très mauvaise dans les courbes. Et puis, tu confirmes? Je confirme. Encore une fois, j'étais content, ça me limitait dans ma tête. Tu vois, avec les capacités de la moto. Je respecte la moto, mais là, tu vois, j'ai fait des modifications. J'ai mis des clip-on, fait que ça rabaisse la suspension avant. OK. J'ai mis des springs progressifs qui la rendent beaucoup plus rigide. C'est vraiment trop mou. L'origine, c'est fait pour rouler en ligne droite. C'est ça, c'est fait pour. Avec Réginald Hébert, qui fait partie de l'organisation de l'événement ici. Allô, Réginald. Bonjour. Donc, Réginald, parle-moi un peu du déroulement, des activités qu'il y a sur le site. Vendredi, le monde commence à arriver. Ils font du camping. Il y en a qui sont ici pour la fin de semaine. Le samedi, c'est la rencontre avec le public, si tu veux, jusque tout le monde peut venir voir les vieilles motos. Concours d'élégance, des compétitions de randonnée, ce qu'on appelle trails. Puis, on va avoir une épluchette de blé d'Inde, un feu de camp à soir. Ça va y aller jusqu'à tard. Aux petites heures. Il y a toujours du monde. La conversation, c'est toujours autour des motos. Et puis, tu me parlais de l'association. C'est quoi exactement? Il y a des chapitres à la grandeur du Canada, je crois? Oui, des chapitres à la grandeur du Canada. Ça a commencé en Ontario, je pense.
dans les années 75. OK. Ça grandit. Montréal, le chapitre ici, on commence à peu près en 88. Et là, là, pour les gens à la maison, parce que t'entendre parler, ça donne le goût de faire partie de ce club-là. Comment ça fonctionne? Où est-ce qu'on peut avoir les informations? Qu'est-ce que ça prend pour être membre? Il y a un site web, CVMG. Pour ça être membre, t'as besoin d'avoir un intérêt dans des vieilles motos. T'as pas besoin d'appartenir à une. OK. Juste avoir un intérêt. Un intérêt, puis dire que même j'ai un Fender, là, puis je vais essayer à bâtir quelque chose avec. Donc, ça va donner le goût à plusieurs, j'en suis certaine. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres comme ça à Montréal. Que vous soyez passionné de moto ou simplement curieux, je vous invite à venir à cet événement-là. Vous ne le regretterez pas. On rencontre des passionnés, des gens qui mangent de la moto carrément, qui ont passé des heures et des heures sur des motos. Venez voir leur travail. Venez sentir la vibe qui est ici. Je vous y invite fortement. Après la pause, on vous amène dans les puits des courses de flat track de Trois-Rivières. Si vous n'avez jamais vu ça, restez là. C'est spectaculaire. Pascal, on arrive ici, puis on sait qu'au Québec, la course moto, c'est pas quelque chose de très populaire. Pourtant, c'est plein de monde et puis vous avez fait quand même un bon travail, là. Écoute, Trois-Rivières, c'est mythique, hein? Ça fait longtemps, depuis 1950, qu'il y a des courses ici. C'est une culture régionale, c'est une culture motorsport avec le Grand Prix. Alors, parle-moi de qu'est-ce qu'on peut voir ici aujourd'hui aux courses. On a plusieurs classes. On a 150 coureurs divisés en 10 classes différentes. On a la moitié de nos participants qui sont en VTT. On a des classes amateurs à partir de 6 ans jusqu'à la classe expert. À partir de 6 ans? Oui, on a un pilote de 6 ans. Ce qui est le fun avec le flat track, c'est que c'est familial. Hein? C'est facile de faire plusieurs classes, c'est facile d'être ici. Ça dure juste une journée comparativement à tous les autres événements de moto. Souvent, on est installé pour la fin de semaine. Là, c'est une journée, c'est plus simple. Fait que les enfants, on les initie de bonne heure. Il y a quand même pas mal de classes de soutien, justement, dans le but de grossir le sport. Ça doit faire des bons motocyclistes après ça, parce qu'écoute, c'est la glisse tout le temps. Là. Le premier règlement, c'est d'enlever le break en avant. Fait que déjà, en partant, tant qu'apprends à rouler, pas de break en avant, c'est déjà de bonne pratique. Wow! Ça prend des couilles solides. Est-ce que c'est juste des gars ou il y a des filles qui font ça? Il y a des filles. On a des filles dans relève, là, justement, qui sont là, qui ont une bonne vitesse, des bonnes motos. Ouais. Des jeunes filles. On a quand même pas mal de monde, là. C'est surprenant. Quel genre de cylindrée on peut voir sur la piste? Notre grosse classe, c'est des 750. Fait que le team Indian qui est là, c'est des FTR 750. On a des Yamaha 700 sur des bases de FZ07. Ouais. On a des Ninja 650 dans Kawasaki. Les grosses cylindrées qu'on a, c'est ça. C'est la grosse moto pour enlever le frein en avant. Au niveau des pneumatiques, c'est un pneu spécial aussi. Oui, c'est un pneu rainuré qui est très, très gommant. Ça ressemble un petit peu à des rain slick là, sur des motos de route. Là. Puis si on regarde l'après-midi, là, à l'intérieur, là, vous allez voir souvent des traces noires parce que le rubber, il se défait déjà même sur la poussière de roche. Même sur la poussière de roche. Wow! Pour les gens qui aimeraient ça, essayer ça, y a-t-il moyen d'en faire au Québec? C'est compliqué. Il y a une bonne série pour en faire, mais ça prend de bon équipement. Je pense que quelqu'un qui veut s'initier au flat track, il y a des compagnies qui font de la location. Je pense que c'est peut-être le meilleur départ pour le faire, parce que sinon, ça prend un équipement. Puis il y a des pistes qui sont quand même assez dures à trouver. Fait que pour s'initier, la location de moto, c'est pas mal la meilleure affaire. Pour en avoir fait une fois sur un événement Honda, j'avais le sourire d'en face. C'est vraiment le fun à faire. C'est que tu vas peaufiner ton entrée, ta sortie à chaque virage. Hein? Un ovale, souvent, ça a l'air simple, mais c'est très, très technique. Faut que tu le décortiques. Fait que l'entrée de virage, la sortie de virage, où est-ce que tu lâches le gaz, où est-ce que tu vas chuter ta traction, c'est ça qui est le fun. Puis c'est pas des tours bien, bien longs. Fait que après les 20 secondes, tu vas repasser à la même place, c'est facile pour...
Est-ce que tu as des bouchons? Parce que je pense que ça prend des bouchons pour se promener dans les flux. On va aller se mettre des bouchons, si tu veux. C'est fort. C'est fort. Mais en même temps, t'en veux pas trop parce qu'on vient ici pour ça. C'est ça qui fait l'ambiance, entre autres. Ça sent le gaz. Ça sonne le gaz. On aime ça. Toi aussi, t'aimes ça. Oh, moi, j'aime ça. Bon, Gabriel, tu sors de piste. C'était-tu ton premier tour en matin, là? Oui, c'était ma deuxième session en Pro Open. La piste était quand même glissante. Oui, je comprends. Oui, on va effectuer quelques petits ajustements sur la moto. Et comment, c'est quoi la différence? Ça peut, c'est que ça casse plus? Comment tu sens ça? Oui, vraiment, l'adhérence au sol est différente. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, on va jouer avec les suspensions, la pression des pneus. Qu'est-ce que ça te prend comme équipement? Je vois que tu as bon, un two-piece là, qui se zippe ensemble. Ouais. Ça, c'est légal, c'est une piste comme ça? Oui. Ouais. Combinaison de cuir, des bottes. Un casque full face, ouais. Puis une semelle en acier avec du hard facing en dessous. C'est ça, quand on tourne, c'est pour venir faire comme un troisième point d'appui au sol. C'est ça, un peu comme le genou au sol quand exact. Tu fais de la traque. Es-tu capable d'avoir un travail en même temps ou t'es là-dessus à temps plein l'été? Bon, je travaille pas mal. En plus? Ouais, on paye ça ces courses-là. Fait que... Il y a plus de dépenses que de revenus? Ouais. Mais ouais. Voyons donc, ça se peut pas. Hey, il m'a souhaité la meilleure des chances. Merci beaucoup. Sois prudent puis amuse-toi. Bien sûr. Merci. How do you begin a career in flat tracking? My dad used to race, and he brought me to the races and started at the age of 7, and now here we are now. How old are you now? 20. 20, so you've been racing for 13 years? Yeah. What's your goal this weekend? Win it. I like the attitude, that's good. And it's fun, because it's a family thing for you two, eh? Yeah, for sure. You have brothers and sisters? Yeah. Who's the fastest? Me. Yeah, of course. Yeah. Si vous suivez le show de moto depuis plusieurs années, on avait rencontré un gars à l'école FAS, je pense à la première ou la deuxième année du show de moto, il y a 14 ans, quasiment dans une autre vie, Michel. Hey, je suis content de te voir ici, mais ça me surprend pas quelque part parce que tu as encore la course dans la peau. Toi, tu as été champion canadien de Superbike, tu as fait la course sur glace et de la course comme ça aussi sur terre battue. Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Ben, c'est le plaisir de la vitesse, le dirt track. L'ambiance. L'ambiance, de revoir des amis. Tu sais, puis, il y a 30 ans, j'ai fait ma dernière course sur la terre. Je faisais une dizaine d'années, j'avais pas coursé. Ouais. Ici, à Trois-Rivières, le gros feeling, j'ai adoré ça encore. Là. Puis, Par rapport à courir sur circuit routier, c'est quoi la différence quand on est sur terre battue? Comme le circuit routier, mondialement, puis tout, là, c'est rendu fêlé pas mal. C'est rendu pas mal. On regarde le TT et des choses comme ça. Macao, c'est assez débile. Il y a 30, 40 ans, quand tu venais aux courses, tu as vu ça. C'est quoi la différence? C'est sûr que les adeptes de sport extrême, ben, sont divisés un petit peu plus. Ça fait que, anciennement, ben, il y avait peut-être un petit peu plus de coureurs. Mm-hmm. OK? Mais regarde, le show est presque encore meilleur. Aujourd'hui au show de moto, on a mis la main sur la Goldwing de Honda, une des motos les plus emblématiques du monde du tourisme de luxe. Et chaque fois qu'il est question de parcourir de longues distances en moto, la Goldwing ressort dans notre top 5. La longue histoire de la Goldwing est le résultat d'un raffinement continu au cours de ces 47 dernières années. Le moteur passant par 6 générations de développement, d'un 4 cylindres à plat à 8 soupapes de 999 cm3 en 1974, à un moteur à 6 cylindres à plat de 1832 cm3 à 24 soupapes en 2018. Ironiquement, la Goldwing d'origine n'est pas venue avec un carénage ou des bagages rigides jusqu'en 1980 avec l'introduction du modèle Goldwing Interstate. Mais les ventes de l'Interstate et du modèle Aspen Cade encore plus accessorisé et plus cher ont rapidement éclipsé la Goldwing standard et le modèle sans carénage a été discrètement retiré de la gamme plusieurs années plus tard. La Goldwing a continué d'obtenir de nouvelles fonctionnalités et accessoires au fil des ans,
ce qui a également ajouté du volume et du poids. Mais ce qui est épatant sur le Goldwing, c'est à quel point c'est facile de la déplacer. Regardez, ça fait plus de 800 livres et je la lève facilement comme ça, sans même utiliser les mains. C'est quand même assez impressionnant. On a aussi l'accélérateur de type Ride-by-Wire avec 4 modes de conduite. Et il y a aussi le Honda Selectable Torque Control, alias contrôle de traction, qui est disponible sur cette moto. Il y a aussi, bien sûr, la transmission DCT à 7 vitesses en option et de nombreux autres extras qui sont disponibles. Il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles de Goldwing. Celui qu'on essaie, c'est le Goldwing standard, hein, qui a récupéré le nom Goldwing, mais qui n'a plus de valise supérieure. Celui-là est seulement disponible avec la transmission DCT. Ensuite, on a le Goldwing Tour qu'on connaît depuis toujours avec la valise supérieure. Celui-là est disponible avec transmission DCT ou manuelle. Et il y a en plus le top of the line, c'est le Goldwing Tour avec transmission DCT et airbag. Avec les années, la compétition japonaise pour le Goldwing s'est complètement estompée, mais aujourd'hui, il reste quand même comme compétiteur chez BMW le R18 Bagger, le R18 Transcontinental, le K1600 GTL, qui est vraiment le compétiteur du Goldwing Tour dans la catégorie tourisme de luxe. On a aussi du côté des Américaines les Indian Challenger et Roadmaster, ainsi que le Road Glide Limited de Harley-Davidson. Et ce sont toutes des motos qu'on aura dans l'émission au cours de la saison pour les comparer à cette Goldwing. La Goldwing est propulsée par un moteur de 1833 cm3 à plat à 6 cylindres opposés horizontalement. Il y a 24 soupapes sur ce moteur qui développe 97,9 chevaux à 5500 tours-minute. Mais le plus important encore, c'est que ça se fait avec un couple de 108 livres par pied à seulement 1250 tours-minute. Et c'est probablement ça qui donne une si belle performance du Goldwing, c'est qu'on n'a pas tant de puissance que ça, mais on a beaucoup de coupes à bas régime, donc ça donne de belles accélérations et un beau grognement qui nous fait dire « Ouais, j'ai peut-être l'air pépère, mais je suis pas tant que ça. » Malgré son poids de plus de 800 livres et sa taille relativement grande, la Goldwing se comporte extrêmement bien. Le châssis et les freins sont parfaitement adaptés à toute la vitesse que vous souhaitez. Le dégagement dans les virages est solide pour un toureur en grande tenue et la direction est légère et neutre à toutes les vitesses. En fait, la refonte de 2018 qui a rendu la Goldwing plus mince, plus petite, plus sportive et plus rapide était la manière de Honda de rendre son produit phare de tourisme encore plus attrayant pour la jeune génération qui auparavant ne donnait même pas un deuxième coup d'œil sur cette moto. Donc, en résumé, la Goldwing m'épate encore une fois cette année. Ça demeure une moto qui est impressionnante à quel point ça performe bien. Bon, c'est sûr qu'en 2023-2024, j'espère que Honda va arriver avec le régulateur de vitesse adaptatif. C'est quand même une moto de tourisme de luxe. Ça va nous prendre ça bientôt. Mais sinon, c'est performant, c'est confortable. On a une belle bulle pour le pilote. On sent bien à son guidon. Quand on fait de la moto pendant de longues heures, bien, c'est ça qu'on veut, avoir du plaisir, profiter du paysage sur une belle moto, fiable, on est chez Honda, et performante et confortable. Alors voilà, c'est la Honda Goldwing. C'est l'heure de retrouver notre spécialiste de la mécanique, notre vulgarisateur mécanique, je dirais, Michel Garneau. On va parler cette semaine avec toi des fameux ABS de virage, cornering ABS, on entend parler. Chaque fabricant a son appellation, mais exactement. Grosso modo, ça fait un peu toute la même affaire, soit de contrôler le comportement de l'ABS en virage, qui est hyper important. Mais on ne voyait pas ça il y a quelques années. On avait l'ABS, puis... c'était ça. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'un ABS en virage? Pour revenir au même discours qu'on avait avec les suspensions, la surface de contact est très minimale sur une moto. Mm-hmm. Alors, c'est très important de gérer le mieux possible l'interface, si on veut, entre la moto et l'asphalte. Oui. On sait qu'il y a des conditions, l'asphalte peut être trempé, il peut avoir de la gravelle, il peut avoir des bosses, il peut avoir une panoplie de raisons, d'où l'importance de gérer l'adhérence des pneus sur la route. Au début, on avait les systèmes ABS normal, oui, qui fonctionnaient bien en ligne droite.
Soit d'ailleurs, c'est BMW qui nous a amené ça au monde de la moto en 88. Ça a été les premiers, oui. Hein? Sur les Cossants, la brique qu'ils appelaient. La grosse brique. Ensuite, en 2013, en travaillant avec Bosch, qui sont un spécialiste dans le milieu de l'ABS. Et qu'on retrouve sur pas mal de motos aujourd'hui. Donc, c'est eux qui ont vraiment innové avec ce qu'ils appelaient à l'époque le cornering ABS. Donc, comment ça fonctionne? C'est que tu as une unité qui va permettre de déterminer en tout moment... Est-ce que c'est l'unité de mesure d'inertie? Arrête-toi. My God. T'as hein? fait tes devoirs. Oui, ça fait plusieurs fois que j'en parle, bon. Mais là, je vais savoir ce que ça veut dire. Ce que ça fait, c'est que ça permet de déterminer en tout moment l'attitude de la moto en trois dimensions. Est-ce qu'on dirait l'assiette de la moto, un peu comme en termes d'hélicoptère, là, comment la moto se comporte? Justement, c'est un peu comme l'avion. Dans le fond, la technologie du IMU vient entre autres des avions. Ce que ça permet, c'est de déterminer l'emplacement du véhicule sur trois axes. Donc, si on pense à un avion, tu as le tangage, hein, tu as le roulis et puis tu as le lacet. Donc, ça permet de déterminer tous ces éléments-là, ainsi que les accélérations. Ensuite, tu as des capteurs de vitesse sur la roue avant, roue arrière. Donc, l'ordinateur, là, lui, il prend toutes ces données-là et puis il va déterminer, lui, c'est quoi le montant de freinage qu'il peut appliquer à chaque roue avant sans compromettre, justement, la stabilité du véhicule. D'accord. Et pour les gens qui veulent aller voir sur l'Internet, là, il y a une panoplie de vidéos. C'est vraiment incroyable, le niveau d'efficacité de ces systèmes-là. Il faut vraiment réapprendre à faire confiance. Oui. Mais effectivement, il n'y a pas un être humain qui est capable de réagir. On parle de réaction là, plusieurs milliers de fois par seconde. Là. C'est complètement débile. Donc, c'est assurément un dispositif de sécurité. Et plus ça va, plus ça évolue dans le temps, plus c'est après se faire peaufiner. Je pense d'ailleurs que les systèmes ABS sont maintenant obligatoires sur les motos en Europe, si je ne me trompe pas. Donc, on encourage fortement. Ça devrait être un critère d'achat pour les gens qui se procurent une nouvelle moto. Oui. Ça peut sauver votre peau. Effectivement. Surtout si on regarde, il y a tellement de conducteurs distraits. Donc, on est appelé à réagir des fois dans des fractions de seconde. Puis, c'est pas tout le monde. Tu sais, il y en a des gens qui sortent juste quand il fait beau, tout ça. Mais il y en a d'autres, on sort quand il pleut. Si t'es en voyage, mais tu peux pas rester immobilisé. Donc, c'est vraiment là, un dispositif qui peut sauver notre vie. Michel, sauve des vies. Ça m'arrive. Rien de moins. Ça m'arrive. Merci. C'est tout pour le show de moto. J'espère que l'émission vous a plu. Si ça vous tente de nous donner des questions, des commentaires sur notre page Facebook, on adore vous lire et échanger avec vous. À venir plus tard cette saison, on vous amène au Pakistan et on va aussi aller faire un tour en Corse. Alors, du rêve à moto, il va y en avoir encore plein cette saison au show de moto. Salut, bonne semaine. Soyez prudents sur les routes.